Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma night routine spéciale automne. Je vais vous montrer tout ce que je fais en rentrant chez moi après les cours. Donc tout d'abord je rentre et je vais sur Instagram, Facebook, voir ce qui s'est passé la journée. Ensuite je vais me changer, me mettre à l'aise parce que je vais pas directement prendre ma douche. Ensuite direction la salle de bain où je vais me démaquiller parce que il n'y a rien de mieux que de se démaquiller après une longue journée. Donc comme vous pouvez le voir, je m'attache les cheveux puisque je vais venir donc tout démaquiller. Je viens prendre mon huile de jojoba de chez Melvita qui est quasi vide, que je viens appliquer sur mes doigts et je viens frotter sur tout mon visage. Après avoir rincé le tout, je viens utiliser ma mousse nettoyante bio de chez Nuxe que je viens appliquer sur tout mon visage. Je rince à nouveau. J'essaie d'avoir une routine de plus en plus bio puisque je trouve ça a des bienfaits sur ma peau et pour l'environnement. Ensuite je viens prendre ma douche et j'utilise un gel douche de chez Yves Rocher. Quand je me lave les cheveux, j'utilise mon shampoing bio Lavera et j'utilise un produit que j'ai reçu de chez Kérastase. Ensuite je viens m'hydrater la peau avec la crème Nivea qui nourrit le plus pour moi. Je viens après utiliser cette gamme de chez Caudalie qui est une tuerie qui va venir en fait exfolier votre peau en douceur. Après ça je prends le sérum de la gamme qui va venir rééquilibrer et nourrir la peau. J'attends que ma peau absorbe le tout et après je viens prendre la crème hydratante que j'applique partout sur mon visage qui est valable pour la nuit comme pour le jour. Et ça, on adore. Après ça, comme je suis une youtubeuse digne de ce nom, je viens allumer mes petites bougies et je suis tellement peu douée que je me suis cramée le doigt ce jour-là, je tiens à vous le préciser. Après ça, je prends mon ordinateur et je travaille un petit peu dessus, mais la plupart du temps, ça se termine souvent comme ça. Après ça, il est l'heure de manger. Et ce jour-là, comme j'étais seule à la maison, j'ai dû me cuire du riz et j'ai réchauffé ce que ma maman m'avait préparé. Et c'était un bon Thai curry que j'ai dégusté. Après ça vient le moment où clairement je ne fais plus rien. Je vais dans mon lit et je regarde mes séries préférées. Et après ça vient l'heure du dodo. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.